Mes chers amis, les bruits que vous allez entendre vous sont familiers? Avant de commencer une petite expérience, écoutez un peu ce que cela donne avec une vraie chanson. Est indispensable dans certains films pour donner une force et une intensité qui dépasse un petit peu ce qu'on appelle la musique. Thank you.
c'était, j'ai tout de suite très fier d'avoir compris que ce n'était pas du tout une mode, mais une pulsation, qui ne s'arrêterait plus, et qui aurait alors calme, fier, mais que le jazz n'était pas une mode, que ça ne s'arrêterait plus. Il y a d'abord un point de rencontre immédiat entre la musique de jazz et le cinéma tel que je l'ai conçu, tel que je l'ai créé dans mes films abstraits. Ce point de rencontre, c'est le rythme. Il y a évidemment dans le cinéma, le rythme joue un rôle extrêmement important, il est primordial dans le jazz. Le jazz, pour moi, est quelque chose d'extrêmement vivant et il évoque en nous un tas de sensations, mais de sensations directes, de sensations pures, de sensations immédiates. Essayer le plus possible de rendre par des images, et des images évidemment qui ont l'apparence abstraite. Thank you.
Les gens qui ont à peu près votre âge pensent que la jeunesse ne trouve dans la musique de jazz qu'une occasion de faire du bruit. Vous avez raison, en réalité, je crois que ce sont précisément les gens qui n'aiment pas le jazz qui aiment dans le jazz le bruit. Générale, ils ont tendance à aimer le bruit, alors que les vrais amateurs n'aiment pas le bruit, ils aiment la musique.